me donne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine, que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'équilibre et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. On m'a trop donné bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient. Laura! Laura! Pourquoi? Dépêche-toi de mettre Martin à l'école. Non, c'est pas cool, il y a le prof qui est malade. Bon, ben moi je me sauve, hein. Chérie, je prends la voiture à ce soir. Rapport pour la réunion sur votre bureau. À quelle heure est la réunion déjà? 9h30. Edith, s'il vous plaît. Vous voulez bien aller me chercher un café? Salut les gars. Ça va Fabrice? Salut. Alors, ça s'est bien passé cette réunion? Champagne, stripteaseuse, débauche, classique. Dis-moi, t'as ton portefeuille sur toi? Parce que j'ai parlé à Michel de ton autographe. Tu veux le voir? Ouais, fais-moi voir ça, ouais. T'as du bol, toi. Pour Fabrice, amitié, génialité. C'est vrai? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Non, je demande juste parce que j'ai un copain dans la banque qui voit passer pas mal de gros dossiers, dont Johnny Hallyday, et il paraît qu'il signe de son vrai nom, Jean-Philippe Smet. Alors ça, je vais te dire un truc, je demande à voir. Bah, pense à la banque, voir mon copain, il te montrera. Salut, les gars. Sonny, un petit café. Oh, pardon! Oh. Oh, vous êtes vraiment cons, les gars. C'est pas Johnny qui ferait un truc pareil. Salut! Oh, salut! C'est moi! Dis donc, tu pourrais dire bonsoir quand même! Bonsoir. Ça va? La banque a appelé. Ils ont rejeté l'un de tes chèques. Mais je les appellerai demain. Je croyais qu'on s'était mis d'accord. On n'a pas les moyens de s'offrir des vacances dans une villa à Saint-Tropez. Enfin, on peut se faire plaisir. Tu peux me faire plaisir aussi, hein. Ça fait 10 ans que tu me promets un voyage en Italie, hein. Non, tu préfères aller à Saint-Tropez. Tout ça pour louer une villa, soi-disant voisine de la villa voisine, celle de Johnny. Mais la villa, c'est pour toi aussi. Pour moi? Pourquoi tous les ans tu fêtes ton anniversaire alors que le mien tu l'oublies tout le temps? Faut que tu choisisses. C'est lui ou moi?
pas dire des trucs pareils. Mon boulot m'emmerde. Ma femme est jalouse de Johnny. J'ai une fille qui est une punk autiste. Des fois, je me dis, Fabrice, tu t'es planté de vie. Moi, normalement, j'aurais dû être acteur. Si, si, j'ai fait du théâtre avec des copains quand j'étais plus jeune. J'avais un potentiel comique, hein, il paraît. On dirait pas comme ça. Si, 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 si. J'y croyais, j'avais la pêche. Puis je me suis marié. Ben, il a fallu que je trouve un vrai travail, alors j'ai abandonné le théâtre. Vous n'avez jamais eu envie de revenir ? Si, mais il fallait que je nourrisse ma femme et ma punk. Heureusement qu'il y a Johnny. C'est lui qui me donne la force de me lever le matin. Attention, hein, je suis pas le seul, hein, comme ça. On est des milliers, on pourrait soulever une armée. Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'était pas là ? Tu me prends pour... Allez. Bonsoir. Bonsoir. Merci. La 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 la. Et la 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 la. Je le chante quand je le chante. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares. Des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour, la musique vive, ah, quand te vivra le blues. Ta gueule. Le blues, ça va dire... Oh. Quoi? Ta gueule. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Quelque chose ne va pas, elle ne te revient pas. Bon, je sais, tu n'as rien dit, un seul regard suffit. Tu vas la fermer, autant que l'une. Et vous cherchez la bagarre, don, 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 vous êtes venu à la bonne place. Don, 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 si vous cherchez la bagarre, don, 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 regardez-moi bien en face. Mais avant, il faudra passer par moi. Je vous prends un par un, ou tous les trois. Ça va? Qu'est-ce que je fais ici? On t'a retrouvé inanimée dans la rue. Ah bon? Tu te souviens de ce qui s'est passé? Non, je sais pas. Non, non. Le trou noir. Bon, écoute, repose-toi un peu, c'est pas grave. Par précaution, ils te gardent en observation pour la journée. Mais ouais, mais il faut que j'aille au bureau. Oh, mais t'inquiète pas, ils sont prévenus. Bon, il faut que je filme, il faut que j'aille travailler. Hein? À ce soir. Du coca. Ah, il adore, hein. Salut. Salut. Faut trop que je fasse des bébés. Si je donne du talat, tu vas devenir marron, toi. Je vais me faire le coffret collector Olympia 2000. J'espère que ça ira mieux. La blague de punk. Laura Quoi? Non, mais ça va pas te crier comme ça. Ma pièce là-haut dans le grenier, c'est une blague, hein? Dis-moi que c'est toi. Mais cette pièce a toujours été une blague. Te fous pas de ma gueule! C'est toi ou merde! Mais de quoi? Moi, je comprends rien à ce que tu racontes. C'est complètement taré. Laura, reviens ici. Je m'appelle Marion.
Depuis quand tu t'appelles Marion? Laurent, reviens ici! Qui a fait ça? Qui a osé faire ça? Où est ta mère? Bonjour. Madame. Oui, je viens pour déclarer un cambriolage chez moi. Ça a eu lieu quand? Cette nuit. Enfin, je sais pas. J'ai eu un accident, j'ai passé la nuit aux urgences. Mm-hmm. Je vois. Et vous avez constaté une effraction? Pas vraiment, c'est bizarre. Voilà, dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny. Une collection de quoi? Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département d'ailleurs. Et ce matin... Qui ça? Une collection consacrée à Johnny Hallyday. Je suis un très grand fan. C'est un acteur américain? Vous foutez de moi, là? Non. Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français de tous les temps, là. Désolé, je sais pas qui c'est. Vous ne savez pas qui c'est? Je sais pas ce qui m'arrive depuis ce matin, mais je crois que ça va rentrer dans l'ordre, hein. D'abord, je voudrais parler à un homme. Un fonctionnaire de police avec une matraque, un képi, un homme, voilà. Vous convient pas? Non, pas vraiment. C'est une affaire d'homme. Soyez gentil. Excusez-moi. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quel est votre problème? On m'a volé tous mes disques de Johnny Hallyday, sans compter la collection complète d'objets collector. Les disques de qui? Vous le faites exprès, là, non? Vous le faites exprès. Et c'est quoi, ce bordel? Je vous parle de Johnny Hallyday! Le plus grand chanteur français de monsieur, tous les temps! Vous vous calmez, monsieur. Bon, je reviendrai. Hein, une fois que vous aurez arrêté de vous foutre de ma gueule. D'accord? Deux dingues, quoi. Deux dingues. Excusez-moi, monsieur. Je ne trouve pas les disques de Johnny Hallyday. Vous les avez mis où? De qui? De qui? Johnny, bordel. Johnny Hallyday! Le rocker de tous les Français! Ne confondez pas plutôt avec Chris Summer. Avec qui? Chris Summer. Mais c'est qui, ça? Foutez-moi, là. C'est la plus grosse star en France. Mais depuis quand? Bah, depuis toujours. Si vous voulez, il y a son dernier album, juste là. Faut que je sorte. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Vous connaissez Johnny Hallyday, hein? Non, désolé. Non, non. Monsieur, excusez-moi. Vous connaissez Johnny Hallyday, n'est-ce pas? Non, je connais pas. Vous connaissez Johnny Hallyday, n'est-ce pas? Ah, pas du tout. C'est pas possible. Mais vous me faites de la folie! Monsieur! Excusez-moi, vous connaissez Johnny Hallyday? Pas du tout, non, je suis non, désolé. Arrêtez, vous connaissez Johnny Hallyday? Absolument pas, non, je suis désolé, monsieur. Oh non! Vous aussi, vous avez tout paumé? Je dirais, oui. C'est un cauchemar, je vais me réveiller, il suffit d'attendre. Quand ça m'est arrivé, moi aussi, je me disais, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Le problème, c'est que ça fait une éternité que ça dure. Pardon, merci de me remonter le moral. Excusez-moi. Au moins, vous avez encore des gens qui vous appellent. Oui. Oh, je suis content de t'entendre. C'est qui? Ma femme. Tu devineras jamais ce qui m'arrive. Ah, faut que je te raconte. L'hôpital? Non, je suis dans un square. Il faut que je te raconte. Quoi? Qui? Aller au lycée de qui? Mais enfin, bordel, depuis quand Laura s'appelle Marion? Je te dis, depuis quand Laura s'appelle Marion? Depuis toujours? Mais vous me prenez pour un braque ou quoi? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger. Je suis le papa de... Vous êtes le père de Marion? Oui, si vous voulez, oui. Si je vous ai convoqué, c'est parce qu'avec l'ensemble des professeurs, nous avons décidé d'exclure Marion du lycée pendant une excusez-moi, semaine... Excusez-moi, vous êtes professeur de quoi, juste? Sciences physiques. Mais c'est la chimie, les atomes, le E égale MC2, tout ça? Oui, si vous voulez, oui. Einstein? Oui. Le retour vers le futur? Il a émis une théorie sur le voyage dans le temps, oui. Ah oui, c'est ça, le voyage dans le temps, le voyage dans le temps, la quatrième dimension, tous les phénomènes bizarres. Écoutez, il m'arrive quelque chose de vraiment très bizarre. Je suis désolé, mais nous sommes ici pour parler de votre fille Marion. Non, ma fille s'appelle pas Marion, elle s'appelle Laura. Comment cela? Voilà, j'ai l'impression que entre hier et aujourd'hui, le monde a changé. Qu'est-ce que vous dites? Hier encore, j'étais fan de Johnny Hallyday. Ce matin, je me réveille. Plus personne ne le connaît. Qui? Bon, vous voyez, plus personne ne le connaît. Tout est pareil, sauf que Johnny a l'air de ne jamais avoir existé. Un présent différent, c'est ça? Un présent différent, vous croyez que c'est possible, ça?
Selon certains scientifiques, l'univers serait comme un millefeuille composé d'une multitude infinie de dimensions distinctes les unes des autres et parallèles entre elles. Vous auriez donc basculé de votre dimension vers notre dimension, un monde où votre fille ne s'appelle pas Laura, mais Marion, et où ce Jimmy n'existe pas. Pas Jimmy. Johnny. Johnny. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Non! Tu parles de qui, là? J'en peux! Comment tu veux que je sache? J'en peux! Mais tu sais quoi? Ton père, il est peut-être homo, il vient de se faire braquer par son mec. Ah! Non! Je le reverrai jamais! Non, mais vas-y, viens, on se casse, moi, ça me saoule. Enfin, Edith, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce qui vous arrive, Fabrice, sur mon bureau? Mais où je suis, moi? Bah là. Oui. Je suis là, moi. Bah oui, vous êtes là. Fabrice, s'il vous plaît, vous pouvez me chercher un café? J'ai ma réunion dans 5 minutes. Un café? Ah oui, un café. Dépêchez-vous. La natation, c'est en piscine, hein. C'est pas la mer. Hein. Comme la course à pied. Mais moi, la course à pied, avant, j'en faisais, mais je suis trop fragile maintenant. Je peux plus en faire. Bon. Et un potage. Un. Mais vous êtes cons, hein, les mecs. Oh là 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 là. C'est pas Chris Sommer qui fera un truc pareil. Hein. Ah bah tiens, à propos de Chris Sommer, t'as ton portefeuille sur toi? Parce que j'ai parlé à Michel de ton autographe. Ouais, fais-moi voir ça. Un ami, Chris Sommer, c'est vrai? Bah, bien sûr, ce que tu crois. Non, mais je demande juste, hein, parce que j'ai un copain à la banque qui voit passer pas mal de gros dossiers, dont Chris Sommer. Et il paraît qu'il signe de son vrai nom, Christian Sommer. Son vrai nom? Je demande à voir. Ah, tu vois, je pas pensé. Tu comprends? Pourquoi j'y ai pas pensé? Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Jean-Philippe Smet. Dis-nous, c'est pour toi, mon grand. Monsieur Smet? Est-ce qu'il veut celui-là? Non, 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 rien. Bonjour, monsieur. C'est moi qui ai rangé. Je cherche Jean-Philippe Smet. C'est moi? Pourquoi? Merci beaucoup. Monsieur Smet! Monsieur Smet! Monsieur Smet? Ouais, c'est pourquoi? Bonjour, madame. Je cherche monsieur Jean-Philippe Smet. C'est moi. Tu sais, Jean-Claude Portier non plus, hein, il allait pas fort à une époque. Hein. Eh ben, il est allé voir un psychanalyste, ça lui a fait un bien énorme. Bon, eh ben, je file au pressing. Alors. Et n'oublie pas d'amener Marie au bowling. Je le reverrai. Je le reverrai. Oh putain, c'est pas vrai. Johnny. Je ne reverrai plus la paix. Voilà, c'est tout pour l'info et on enchaîne tout de suite avec le dernier succès de Chris Sommer. Bah merci. Bah pour tout à l'heure, tu t'inquiètes pas, j'ai un copain qui me ramènera. Thank you.
Papa, ça te dit d'aller boire un verre ou... Enfin, je sais pas, peut-être qu'on pourra discuter, si t'as envie. Non, j'ai pas envie de te faire honte devant tes amis. Mais t'inquiète, c'est déjà fait, hein. T'attends. C'est avec maman. C'est ça, vous avez divorcé? Non, non, non. Mais alors, c'est quoi? Tu peux pas. Non, tu prendrais ton père pour un cinglé. Non, si c'est pas déjà fait, déjà. Ah, mais moi, je veux bien ne pas te prendre pour un cinglé, mais avoue quand même qu'en ce moment, c'est bizarre. Since I know you, everything is all right. She's the one I love. Peggy Sue is back to me, back to marry me. Ça va pas, là, non? Oh! Ah, il faut absolument que je lui parle. Laissez-moi vous parler. Puisque je vous dis qu'on se connaît. Allez, dégage. La main en 80 à la cigale. S'il vous plaît, laissez-moi vous parler. J'ai quelque chose de capital à vous dire. Vous le connaissez, patron? Non, pas du tout. Je sais qui vous êtes réellement. Vous êtes Johnny Hallyday. Johnny Hallyday? Mais d'où tu sors ça, toi? Qui? Je suis votre plus grand fan. Ouais. Je fous pas de ma gueule. Mais je vous jure que c'est vrai. Mais je vais vous. Je m'en fous de tes explications. Je veux plus te voir ici. Jamais. D'accord. Allez, dégage. De toute façon, vous finirez bien par savoir qui vous êtes vraiment. C'est pas par hasard si vous avez appelé votre bowling comme ça. Vous avez toujours rêvé d'y être. D'accord, d'accord. Je sais que tout ça est complètement fou. Mais vous pouvez m'écouter deux minutes, non? Moi, ça fait 40 ans que je vous écoute en boucle. Non, je l'ai pas fait assez bien. Je vais arriver, je vais lui faire. D'accord, je sais que tout ça est complètement fou. Mais vous pouvez m'écouter deux minutes, non? Un homme qui chante comme vous ne peut pas être froid et insensible. Ça, c'est pas possible. Regardez-moi bien. Je vous préviens, je suis au bord du gouffre. Quoi? Vous ne voulez pas? Vous ne voulez pas? Moi, ça fait 40 ans que je vous écoute en boucle. Vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites? On t'emmerde. Bon, allez, parlez-vous maintenant. Toi, tu vas vider tes poches. Et tu vas nous donner ce que t'as. Je crois pas, non. Arrêtez! Arrêtez où je tire! Je tire!
Encore vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu pour me descendre ou quoi? Ah non, 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 il n'est pas chargé. Bon, ben, je préfère que vous le rangiez quand même. Pour l'Olympia, vous pouvez revenir. Je vous offre même 10 parties de bowling. J'échange les 10 parties de bowling contre 2 minutes de votre temps. J'ai quelque chose de très important à vous révéler. Bon, vous avez une minute. Moi, j'ai besoin d'aller dormir. Je viens d'un autre monde. Enfin, d'un monde parallèle, plus exactement. Et je sais des choses sur vous dont vous ignorez l'existence. C'est pas vrai, ça m'a fait aujourd'hui. D'où je viens, vous êtes une immense star de la chanson. Depuis 40 ans, vous avez vendu des dizaines de millions d'albums. Et qu'est-ce que je suis censé répondre? Je sais pas, vous devriez être content. Content? Mais content de quoi? Où est-ce que vous voyez une immense star de la chanson? Et pourquoi je vivais dans cette baraque si j'avais vendu des millions de disques? Oh bah, elle est quand même un peu plus grande que la mienne. Bon allez, ça va, moi je vais aller dormir. Vous devriez faire la même chose. Et bonne nuit. Vous êtes né le 15 juin 1943 à Paris. Vous avez été élevé par votre tante, Hélène Marr, une cantatrice. Dans les débuts des années 50, vous prenez des cours de danse et vous apprenez à jouer de la guitare. En 1954, vous faites une brève apparition dans Les Diaboliques de Clouseau. En 1957, vous avez une révélation en voyant Loving You au cinéma avec Elvis Presley. C'est là que vous décidez de devenir chanteur de rock'n'roll. Le 30 décembre 1959, vous participez à l'émission Paris Cocktail, une émission télévisée, et vous êtes découvert par Jack Wolfson, qui produira votre premier 45 tours. Il y a 4 titres. T'aimer follement, Ho Ho Baby, Laisse les filles, J'étais fou. Tout ça me paraît tellement loin. Je t'en cher pour revivre cette période. C'était le début du rock en France. Je traînais avec la bande de la Trinité. Pendant les bagarres, notre seul souci, c'était de ne pas escarter nos fringues. C'était important, les fringues. On était tous sapés à la James Dean, à la Marlon Brando. On avait la panoplie complète. Et puis on allait draguer les filles au golf de Rouen. Oui, situé à l'angle de la rue Montmartre et de la rue de Rouen. Ouais, oui, c'est ça, ouais. C'est là-bas que j'ai commencé à chanter. Oui, vous vous êtes fait offrir une guitare par Lee Hallyday, le mari de votre cousine. Oui, effectivement, oui. Et la même période, j'enregistre une maquette de plusieurs titres. 5 titres, exactement, que vous enregistrez sur le magnéto du père d'un ami en juin 1959. Vous les racontez à ma place. Excusez-moi, je vous demande pardon. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Tout ça, c'est du passé. Hein. Mais si tout ce que je raconte est vrai... Qu'est-ce qui n'a pas marché, alors? Tout ne s'est pas passé comme vous l'avez décrit. Je n'ai pas participé à l'émission Paris Cocktail. J'ai eu un accident de Vespa en m'y rendant. J'avais plus de foin. C'est donc ça. Ne participant pas à l'émission Paris Cocktail, vous n'avez pas été découvert par Jacques Wolfson, qui n'a donc jamais produit votre premier 45 tours. En tout cas, il y en a un qui peut me dire merci. Qui ça? Il se faisait appeler Chris Sommer. C'est lui qui m'a remplacé à Paris Cocktail. Ce petit con prétentieux se prenait pour un dur parce qu'il s'était fait virer des petits chanteurs à la Croix de Bois. C'était pathétique. Et l'année suivante, quand il a mué, le morveux est devenu Chris Sommer. Et vous n'avez jamais retenté votre chance? Mon accident m'a immobilisé plusieurs mois. Quand j'ai voulu reprendre, c'était trop tard. On était trop nombreux sur le marché du rock. Alors j'ai fait autre chose. J'ai eu un bar dans les années 60, un sex shop dans les années 70. Et en 82, j'ai ouvert le premier vidéoclub de la région. Le Las Vegas Video, ça s'appelait. Et puis j'ai monté l'Olympia, voilà. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. J'ai jamais été une star de la chanson. Et je n'ai jamais vendu un disque. T'es avec qui? Personne. Alors tu veux bien éteindre la lumière? Ouais.
Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais? J'ai une idée. Oh, t'es chiant. Allez. Oh, my baby, I will tell you tonight. Since I know you, everything is all right, all right. But if I can't go out with you, it's because I'm still in love with Pegasus. She's the one. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chez mon père. Encore? Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé ça. Ça te va comme explication? Mais c'est rien, ça, c'est des conneries. Arrête. Évite de laisser traîner ce genre de choses dans tes pantalons. Mais c'est des conneries, ça. Hein? Tu sais bien que je t'aime. Non, je sais pas, justement. Caroline. Oh, c'est pas vrai. Vous avez passé la nuit ici ou quoi? J'ai beaucoup réfléchi. Je dois vous parler. Ah non, ce matin, j'ai pas le temps. Non, c'est très très important, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer cette fois? Que j'ai raté une carrière de footballeur? Je veux devenir votre manager. Je veux faire de vous celui que vous auriez dû être. Oh non. Vous avez encore votre regard de cinglé. Johnny sommeille en vous depuis toujours. Et ne demande qu'une chose pour être réveillé. Ensemble, on peut rattraper le temps perdu. Quel temps perdu? Ça fait 40 ans que c'est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard pour accomplir son destin. Le vôtre, c'est d'être Johnny Hallyday. De chanter pour les gens, de leur donner du bonheur. Tout ça, c'est des conneries. J'ai d'autres soucis. Et ça, c'est des conneries? Qu'est-ce que c'est? En tant que fan numéro un, je connais la plupart de vos chansons par cœur. Il y en a 967. J'en ai écrit une cinquantaine de mémoires. De mémoires, oui. J'en prends une au hasard, le 7 juin 1976. Requiem pour un fou, sorti de l'album Derrière l'amour. Johnny s'adresse directement au public. Tout le public est là, absolu, sublime. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud. Je tue celui qui fait un pas. Non, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils braqués. Non, je ne m'envolerai pas sans elle. Je suis un fou, mais par amour, un fou d'amour. Bon, c'est très bien. Maintenant, tout le voisinage est au courant. Bon, soyez gentils. Jetez un œil sur tout ça. Il n'y a que des tubes, c'est de l'or en barre. Je regarderai quand j'aurai un moment. Merci beaucoup. Allô? Excusez-moi, Johnny. Oui. Non, non, je ne collectionne plus des canettes de bière. Non, ma passion à moi, pour moi, c'est Johnny Hallyday. Oui, c'est Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, je vais vous dire un truc, vous n'allez pas être long à le comprendre. Allez, merci beaucoup, au revoir. Non, mais c'est dément, hein. C'est des barjots, les collectionneurs de canettes, hein. Bon, il y a mon nom sur la couverture, il y a mon téléphone. Je compte sur votre appel. Anytime, anytime. Un fou d'amour, j'étais un fou, mais par amour, un fou d'amour. Attends, attends. Quoi? Ma femme est partie, elle a trouvé un de tes mots. Ah bon? Gabriel, ce serait bien que tu arrêtes de m'en mettre partout dans les fringues. C'était pour te faire plaisir. Je te l'ai déjà dit hier soir, on a passé une nuit ensemble, mais il faut pas que tu t'imagines quoi que ce soit. Si je comprends bien, je fais partie de ton programme, une nuit, un coup. Et quel programme? Et puis c'est toi qui as évidemment, ouais. T'es bien avec toi. Quand il s'agit de s'engager, une vraie gonzesse. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. C'est des poèmes?
Non, des chansons. C'est toi qui écris ça? Bon, allez, rends-moi ça. Laura, c'est qui cette Laura? J'en sais rien. Tu veux pas me dire? Bon, allez, sors, il faut que j'y aille. Laura, le temps passe et me remplit de toi. Je n'avais besoin de personne et tant de place pour toi. Mais c'est carrément une déclaration d'amour! Espèce de salaud! Dis-moi qui c'est! Oh, j'en ai assez, allez, sors. Va te faire foutre! Vieux schnock! Vieux schnock. C'est dingue, ça. Pas? Alors, hein, tu es là? T'allais pas encore en entraînement? Non, il est allé dormir chez ton grand-père. Il se sentait pas très bien. Ah bon? Non, mais rien de grave, t'inquiète pas. C'est quoi, ça? C'est un texte que j'ai écrit pour ta naissance. Ah ouais? Ouais. Je pourrais lire? J'ai ça, t'es plaisir. Bien. Hé, hey, Laurent, mm-hmm. Tu me le ramènes, hein? Ouais. Papa, décroche pas, c'est pour moi! C'est pour toi. Merci. Oui? Excusez-moi, j'appelle un peu tard. Jean-Philippe, comment allez-vous? J'ignore qui vous êtes. Comment vous savez certaines choses? Et je pense que vous êtes complètement allumé. Mais j'ai réfléchi. Oui. Et alors? Ben, je me suis dit que j'avais pas grand-chose à perdre. Alors d'accord. Faisons un essai. C'est merveilleux. Et il faut fêter ça. Venez dîner avec votre femme à la maison demain. Non, je viendrai seul. Comme vous voulez. Manager! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu veux arrêter ton travail? Non, pas dans un premier temps, en tout cas. Et c'est qui ce type, Johnny Hallyday? Hallyday? C'est un grand chanteur qui va devenir célèbre. Ah ouais? Et tu l'as rencontré où? Où je l'ai rencontré? Ouais. Je l'ai rencontré dans le métro. Dans le métro, il jouait de la guitare, tu vas voir, il est très talentueux. T'abandonnerais ton travail pour t'occuper d'un parfait inconnu découvert dans le métro, toi. Tu te rends compte que t'as une famille? En ce moment, je te comprends pas, Fabrice. Hein. Tu m'as jamais très bien compris, Babette. Ah. Il a quel âge? Quel âge il a? Il a 60 ans. Quoi? 60 ans? Oui, 60 ans. Voilà, il a 60 ans. D'accord, tu vas voir, ce mec, à 60 ans, tu vas te dire, c'est même pas concevable que 60 ans veuille dire ça. Il a 60 ans. 60 ans, ça veut rien dire chez lui. 60 ans, c'est 15 ans, c'est 10 ans. Il a 100 ans, 200 ans, 500 ans. Il a rien, il est rien, il est la quintessence. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Non, tant que tu lâches pas ton travail, tu verras bien, hein. Ça ressemble à quoi ce qu'il fait? À du Johnny. À du Johnny. C'est lui. Jean-Philippe. Bonsoir. Merci d'être venu. Entre, je t'en prie. Ça va? Ça va bien. Babette! Laura! Descendez! Jean-Philippe est arrivé. Voilà notre. Voilà notre chez nous. C'est très sympa. Viens. N'en fallait pas. Bon, c'est rien. Merci infiniment. Ah bah voilà ma femme, Babette. Babette, Jean-Philippe. Enchanté. Bonsoir. Faites-vous la bise, on est entre nous. Oh,
Oh, c'est idiot, j'aurais tellement aimé te montrer ma collection de Johnny. Viens, entre, je t'en prie. Encore un peu de gigot. Non, merci, c'était délicieux. Merci, Fabrice. Avant d'attaquer le dessert, j'aimerais vous faire part de ma stratégie pour lancer Johnny ici présent. Est-ce que je peux sortir de table? Non, 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 ça te concerne aussi. Johnny s'adresse à tout le monde, même aux punks. Ah bon? Et pourquoi faire? Parce que les punks, Johnny, il était là avant, pendant et après. C'est le patron. Okay. Alors vous êtes punk? Ouais, genre. En tout cas, ça vous va très bien. Merci. Bon, alors, la première chose, changer le look de Jean-Philippe pour reconquérir le public. J'ai quelques croquis ici pour vous montrer l'esprit de Johnny. Je définirai en quelques mots très simples. Noir, viril, animal. Et dis-moi, pourquoi il n'y a pas de phoque? Si c'est pour des déconneries, tu montes dans ta chambre. Non, mais finalement, je me marre bien avec vous. Non, mais on n'est pas là pour se marrer. On a 40 ans de Johnny à rattraper. Ça, c'est ton look des années 2004. Combinaison cuir noir, cheveux tirés en arrière, bouc. Moi, j'ai un tout petit faible pour ton look des années fin 70. Je vous jure, c'est de la folie. C'est possible de voir? Oh. Voulez-vous que je pose ça? Oh, c'est gentil, fallait pas. Mettez-les là. Ici, là? Ouais, merci. Jean-Philippe! Sors de la cuisine! Tu vas pas faire la vaisselle non plus! C'est à se demander s'il est pas amoureux de vous. Arrêtez, vous me faites peur, là. J'ai tapé tes textes à l'ordinateur, hein. On verra ensuite celle que tu préfères. Écoute celle-là, par exemple. Elle s'appelle « Que je t'aime ». Attention, j'y vais, hein. Babette, assieds-toi. Vous êtes prêts? C'est parti. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, ah, que je t'aime. Je t'aime, que je t'aime, ah, que je t'aime, mon amour. Tu la chantes mieux, hein, mais c'est ta meilleure. Chris Summer t'a volé ta place, il t'a volé ta vie, il t'a volé ta gloire. En l'honneur de tous tes fans, je t'ordonne de lui rentrer dedans. Range-lui dedans. C'est bon. Oui, c'est pour une coupe de cheveux, peut-être aussi une couleur. D'accord. Eh ben, entendu comme ça. Alors, à demain, à 18h. D'accord, merci beaucoup. Oh, non, je te jure, il n'y a aucun regret à avoir. Vous auriez la gentillesse de faire les pâtes? Pourquoi les pâtes? Mais très peu. Oh putain, j'en peux plus, je suis mort. Jésus aussi était mort. Mais si tu crois qu'il a ressuscité, en ton coup de cuillère à peau, tu te mets le doigt dans l'œil. Comment tu fais pour avoir autant la pêche? Là, je pense à Rocky. Lui, Rocky Balboa. C'est dans le film Rocky, quand Rocky s'entraîne, il y a la musique et tout. Oh, cette séquence, putain, ça te donne la pêche, ça te patarde, c'est bon, vas-y. Je connais pas ce film. Ouais. Pour Stallone non plus, ça pas marché ici. Allez, encore une borne. Pas besoin de couper les pattes, non? Si, les pattes. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir. J'ai l'honneur, le privilège de vous présenter... La star du troisième millénaire, vous entendez? La star du troisième millénaire, j'ai nommé le grand, l'unique, le grand, le très grand, Johnny Hallyday! Johnny! Wow. Aïe, 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 la touche! Vas-y, tourne-toi un peu, papa, pour voir. Enfin, moi, ceci dit, je trouve que les franges, ça apporte pas mal, hein. Pas mal, la chemise aussi, hein. Quand je te l'avais dit, je fous de moi. Mais pas du tout. T'es extraordinaire. Tiens, toi, t'es pris en flag, là. Quoi? Oui, je te répète, pris en flag. Bah, quoi? Bah, tu crois que je vois pas ton regard, là? T'es en train de craquer sur Johnny. Mais n'importe quoi, toi. Je vais faire du café. Mais avoue-le, assume tes pulsions sexuelles, chérie. Assume-les. Bon, ben, en attendant, je vais me changer, moi. Bon, alors, vous en pensez quoi? Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est pas mal. Non, mais vous pourriez faire un effort. Ouais. C'est Johnny quand même. Sois gentil, Laura. Laisse Laurent se concentrer pour qu'il progresse. Tu vas voir. L'air de la mer va te faire un bien énorme avant de commencer tes répétitions. Je me sens pas spécialement fatigué. Et puis Quiberon, c'est à quoi de si spécial? Tu adores Quiberon. J'ai jamais mis les pieds à Quiberon. Ah oui, j'adore Quiberon.
dans mon autre vie. Voilà. Allez les enfants, soyez gentils, vite, vite. Vous dînez pas avec nous? Non, non, on va se débrouiller. À plus tard. Tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui. Elle est jolie cette chanson. Je savais pas que tu jouais de la guitare. Quand j'étais jeune, j'ai vaguement gratté pour épater trois pauvres nanas. Tiens, je te laisse essayer. J'ai noté la grille d'accords. Voilà. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Oh, quelque chose de Tennessee. Ça va pas? Mais tu déchiffres comme ça. Ah oui, c'est écrit. Quand est-ce qu'on mange? Plus tard. Ah, oh, j'ai faim, moi. Avoue qu'on est bien, quand même. Ouais, bon. Un, deux, trois. Lutte pour écrire ton histoire. Lutte pour garder ta mémoire et pour garder en toi une... Une rock'n'roll attitude. Bien. Ne reste pas chez toi avec... tes... Oh, ça va. Ne reste pas chez toi, s'il te plaît. Lutte pour écrire... Lutte pour écrire ton histoire. Lutte, s'il te plaît. Lutte pour écrire ton histoire. Lutte pour écrire. Lutte. C'est pour ça que je t'ai emmené ici. Non. Je ne crois pas. Non, ne te ferme pas. Ne te ferme pas. Je te jure, hein, y a rien de mieux qu'un karaoké hein, pour te remettre dans le circuit. Il y a un micro, il y a la musique et surtout il y a un public. Je déteste le karaoké. Quoi, tu détestes le karaoké? Enfin, tous les plus grands ont commencé par le karaoké. J'aimerais bien savoir qui. Brel, Brassens, avant de démarrer, c'était des rois du karaoké. Tout ça, c'est des conneries. Oh, ça va pas te dégonfler. Some people call me a teenage idol. Some people say they envy me. How lonesome I can be. I need somebody to be my baby, someone to tell my troubles to. I've got no time. C'est Johnny qui chante. C'est Johnny qui chante. Pass it through. I
Bonsoir. Mais si je me suis marié 4 fois, j'ai combien d'enfants? 3. Un garçon, 2 filles. D'accord. Laisse-moi deviner. J'ai une fille avec... Madonna. Nathalie Baye. Non. Nathalie Baye. Ah, c'est moi l'actrice préférée. Ah, j'ai une fille avec elle. Laurent. Laura. Bon, je te raconte ou quoi? Bon, vas-y, dis-moi. Alors, je commence par quoi? Par tes amis du showbiz, ta femme Laetitia, ton concert au Parc des Princes. Au Parc des Princes? Pourquoi pas le Stade de France, pendant que tu y es? Ah, parce que j'ai aussi chanté au... Non. J'y étais. Tu veux pas imaginer ce que c'était. Tu regardes Camus et tu dis « Je veux rentrer sur scène en traversant la foule. » Camus te regarde dans les yeux, livide, et te dit « Tu peux pas faire ça, Johnny. Tu peux pas faire ça, ça pourrait mal tourner. » Et là, tu as répondu « Ces gens sont là parce qu'ils m'aiment. Pourquoi ça tournerait mal ?» En fait, tu m'as pas dit. Quoi ? Qu'est-ce que j'ai comme bagnole ? C'est pas croyable, toi. Je te parle à un moment énorme de ton existence et tu me demandes quelle est ta bagnole. Quoi, quoi, quoi. Ah, il y a une autre histoire. Et rien ne sera jamais plus pareil. J'ai vu plus d'horreur que de merveilles. C'est pas mal, Johnny, enfants... Johnny, pardonne-moi. Johnny, excuse-moi. Bon, alors, la version reggae est bonne, mais c'est pas bon quand même. Je pense qu'il faut faire une version plus classique pour que l'émotion... Salut, maman. Bonjour, madame. Ça va pour vous? La vie est belle? Écoute, je t'avais téléphoné, j'aurais un peu rangé. Je prends juste quelques affaires et je repars. Tu t'es coupé les cheveux? Mais attends, je vais t'expliquer. C'est qui ce type? Fabrice, un ami. On travaille ensemble. Je vais apprendre la musique. Tu plaisantes, j'espère. Non, c'est sérieux. Reprendre la musique à ton âge, j'en m'étais tombé sur la tête. Qu'est-ce que ça peut faire? De toute façon, t'es déjà parti. C'est vrai. Bon, alors, admettons qu'elle ne te désire plus, qu'elle ne désire plus le Jean-Philippe qu'elle connaît. Je ne donne pas cher de sa peau quand elle rencontrera Johnny. Aucune femme ne résiste à Johnny. Tu veux que je te dise? Johnny, ta femme, il va la récupérer. Johnny est un jeune talent plein d'avenir. Il n'interprète que des futurs tubes. Allô, oui, ben, je vous envoie un CD, hein, vous allez adorer. Comment? Ah non, il n'y a aucun problème de date. Vous ressentez un vide dans votre vie? C'est normal, vous devez être un fan de Johnny qui s'ignore. Non, mais même en première partie, hein. Non. Ah bon, tout est complètement... complet. Ce serait juste pour un cachet. Non, allô? 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 Johnny? Ça va? On a décroché un contrat. Bon, ça reste modeste, mais ça va permettre de t'échauffer avant ta tournée. Ma tournée? Alors, il y a un truc qui va te rassurer, ils ont un super son. Bah, d'accord, c'est pas le Parc des Princes, mais tu vas être content. Je me sens pas cuire, moi. Qu'est-ce que tu dis? Tu te sens pas cuire? Enfin, tu délires, t'as toujours été cuire. Mais tu n'y sens cuire. C'est comme un été sans soleil, c'est une pizza sans olives. C'est une voiture sans roues. Bon, ça va, j'ai pigé. Bon, t'oublie pas de mettre tes sentiers avant de monter sur scène. Elles me font mal aux pieds, je suis mis dans mes chaussures. Oh. Mais c'est en chaussons, Ventier. Tu vas où ils en sont, j'arrive, hein. Je compte sur toi, hein. Allez, Johnny, à toi. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour. Pour
chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Oui, la musique vivra tant que vivra le blues. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal en crevé. Ça va pas, madame? Continue, 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 continue. C'est ma prière pour te garder. Tu t'es la musique que tu chantes. Ça va, vous êtes sûr? Bon, d'accord. Elle vient de là, elle vient du blues. C'est la mère Lucette qui a perdu son chat. Il fait pas de la fête, il le vivra. Excusez-moi. Je suis le mari de Babette, la maîtresse, je sais pas. Vous savez pas où aller? Vous êtes pas allé voir dans sa classe? Parce que le spectacle des CP, c'était ce matin. Non, non, non. Ils ont l'air d'aimer les chansons, hein, les gamins. En effet, oui. Madame Richet. Réfléchissez bien, ça sera parfait pour les enfants, vous entendez? Parfait. Parce qu'au même titre qu'Henri IV, que De Gaulle, que Jeanne d'Arc, Johnny Hallyday fait partie intégrante de l'histoire de France. Vous comprenez ça, Madame Richet? Ah, Babette, tu tombes bien. Justement, j'étais en train d'expliquer à Madame Richet à quel point c'était important pour les enfants de connaître Johnny. Ah, oh. Oh, c'est pas possible. Babette! Je vous rappelle, hein, je vous rappelle. Babette! 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 Moi. Partout où tu vas, il faut que tu la ramènes avec tes délires obsessionnels. Partout. Mais je te répète que si je suis là, c'est parce que je venais te chercher pour t'inviter au resto. Enfin, j'avais pas du tout prévu que madame... Laisse donc un peu tranquille ce pauvre type, t'es en train de lui donner trop d'espoir, là. Qu'est-ce que t'as dit? Là, j'ai pas bien compris, là. Johnny? Johnny, pauvre type. Et dis donc, tu crois que j'ai pas vu comment tu le regardais l'autre jour? Ah, t'avais pas l'air du tout de le prendre pour un pauvre type. Ouais, t'as raison, c'est toi le pauvre type dans l'histoire. Tu vas voir, Babette. Tu vas voir. On va aller très très loin avec Johnny. Madame Bonne-Route. Ah, ça y est, ils répondent. C'est un casting, pourquoi? La nouvelle idole. C'est un prime times. Inspiré de l'école des fans, mais avec des adultes. Bonjour, l'originalité. Oui, mais attends, tu sais qui est l'invité à la prochaine émission? J'en sais rien. Chris Humeur. Décidément, il est partout, celui-là. On s'en fout. Tu sais ce qui est important? C'est ce que tu gagnes. Chanter avec Chris Humeur en duo au Stade de France. Ça m'emballe pas. Comment ça, ça t'emballe pas? Ça t'emballe pas, mais t'es dingue ou quoi? Y a pas à réfléchir. Ton grand retour au Stade de France. Tes dizaines de milliers de fans entrants en train de t'écouter. Arrête un peu, tu crois pas que t'en fais beaucoup, là? Johnny, il faut faire cette émission. On n'a pas le choix. Cet arrêt est sur vous. Et à ce moment très précis, où tu m'as dit, je vais partir, et puis tu es parti, j'ai cherché le repos. J'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue. Il n'y a que de l'eau. Mais aucune autre n'est venue. Merci. Remonter ma vie. Ah, il est saoulant, celui-là. Là où tu vas, tu comprendras, j'en suis sûr. Mes mots d'amour, tu comprendras. Au jeu des passions qu'on jure, mais tu verras l'aventure. Excusez-moi de vous déranger. Vous pourriez avoir la gentillesse d'imiter Clo-Clo un ton un tout petit peu plus bas. Parce que vous n'êtes pas tout seul, quand même. Je n'imite pas Clo-Clo. Je le transforme, je l'adapte, je le transcende. T'es qui, toi? Manager de Johnny Hallyday. T'es qui? Ouais, connais pas. Peu importe. Alors, un conseil, arrêtez les imitations, devenez acteur, ça peut être énorme. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, ça... Comment ça va? Bien, toi? Cassandra, toujours aussi belle, hein? Ah, oh, il manquait plus que lui, tiens. Numéro 73, Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Acteur? Ouais, c'est pas con. Acteur, pourquoi pas?
attendre, si vous voulez. Ah, je rejoins d'aller aux toilettes, j'ai le temps. Ah oui, merci. C'est juste au fond du couloir. Je reviens. Tu peux voir, ça va être une super émission. Ouais, mais encore pas mal de boulot. Johnny Hallyday. Salut Chris. Comment ça va? J'ai entendu ton nom dans la cour tout à l'heure. Alors qu'est-ce que tu deviens après tant d'années de mystère? Monsieur Sommer, on vous attend pour les photos. Je parle là, tu vois pas? Alors reviens plus tard. Bon, tu m'excuseras, il faut que j'aille me préparer. Après 40 ans de préparation, t'es plus à 2 minutes près. Ah, au fait, ton accident de scooter, t'as jamais su pourquoi il y avait plus de frein? Mais qu'est-ce que tu me racontes, là? Allez, c'est bon, dehors. Dehors. Quand tu faisais du théâtre hein, de rue, quand les passants t'avaient pris pour un forcené à pousser tes grands cris, là, tu te souviens? T'étais rentré à la maison couvert d'hématomes. Tu te souviens de ça, toi? Comme ça, bah ouais. Aïe. Tu fais du bien? Eh, là, ça brûle. Où ça? Bah. Y'a rien, là. Mais Christian, regarde, ça brûle, là. Je t'en supplie, non, pas le matin, la télé. Pas le matin, ça abrutit complètement ton truc. Le regagnant de l'émission La Nouvelle Idole s'appelle Denis. Non ! Ce chanteur amateur aura l'immense privilège de chanter en duo avec Chris Sommer lors de son concert événement le 22 septembre prochain au Stade de France. Denis Lehmann est connu pour avoir été vice-champion de France de karaoké en 2003. Un duo cet été avec Chris Sommer au Stade de France. Voilà, un duo devant 80 000 personnes. C'est dommage qu'il se cache derrière ses lunettes, on voit pas son visage. Qu'est-ce que ça, il se prend déjà pour une star alors que ça pourrait être n'importe qui. Hein. T'as raison, dis donc, Laura. Énormément de présence. Quoi? Moi, t'as raison. Plus, ça pourrait être n'importe qui. C'est un bon travail, ça risque de faire quelque chose, des étincelles. Salut. Excuse-moi de déranger, ton père est là? Ouais, dans son atelier. Son atelier? En bas. Ah, d'accord. Dis donc, tu m'avais caché ça. Alors, qu'est-ce qui t'amène? J'ai une idée, tu vas pas en venir. Je crains le pire. Chris Sommer. Le concert de Chris Sommer. Le Stade de France, je sais comment faire. Tu sais que t'es fatiguant comme mec, on t'a jamais dit. Mais je suis sérieux. J'ai un plan. Écoute, ouvre les yeux, on a perdu. Le monde dans lequel on vit, c'est celui de Chris Sommer. C'est lui l'idole. Johnny Hallyday, c'est personne. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Si t'avais pas pété les plombs avec Chris Sommer, c'est toi qui gagnais le concours. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Je le sais parce que je suis ton plus grand fan. Enfin, tu vas pas me dire que ça, tu n'y crois pas quand même. Enfin, t'es pas motivé, c'est ça. Allez, dis-le tout de suite. T'es pas motivé? Ah, moi, j'aime mieux le savoir, hein, parce que j'ai autre chose à faire de ma vie. Ah ouais? Mais quoi? Est-ce que tu te rends compte quand même que j'imite un type que personne ne connaît? J'imite un inconnu. Et tout le monde s'en fout. Si tu crois en toi, le public croira en toi. C'est pas compliqué. Tu es Johnny. T'entends? Tu es Johnny, bon Dieu! Non, c'est pas moi! En tout cas, pas dans cette vie-là, et c'est la seule que je connaisse. Avant que tu débarques, j'étais peut-être pas une superstar, mais au moins je savais qui j'étais. C'est pitoyable, regarde tes maquettes. Non, mais je te jure, Johnny te verrait, il aurait honte. Johnny, je l'emmerde. Au moins, lui, collectionne les vrais, hein. Tiens, maman. Il y a encore un carton dans la cave. Tu veux même le chercher, mon chéri? Ouais, pas de problème, je vais. Je viens t'aider. C'est celui-là, je crois. Tu vois? Ouais, je crois, oui.
cette histoire, c'est pas des conneries. T'as vraiment fait tout ça? Tout ça, quoi? Bah, du rock, Johnny Hallyday. C'est vraiment toi? Oui. Non, un double plutôt. Mais vous êtes encore là, vous? C'est effrayant. Je suis sûr que si je retournais là d'où je viens, vous seriez encore là. Vous venez d'où? Je viens d'un monde meilleur, d'un autre monde. J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé, je suis complètement bourré. Le trou noir. Qu'est-ce que j'ai dit? Le trou noir. Trou noir. Excusez-moi. Le trou noir. Allô? Fabrice? Oui, il faut qu'on se voie, c'est très important. Où es-tu? Au pub irlandais. Je vais repartir, Johnny. Je te dis au revoir. Là où je vais, tu me connais pas. Bon, fais pas de conneries, j'arrive. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Non, mais c'est pas vrai. Il y a longtemps, sur une guitare. Ma gueule. Dis-moi ma gueule. Mais qu'est-ce qu'il y a là, ma gueule? Quelque chose ne va pas. Elle ne te revient pas. Je sais, tu n'as rien dit. Ma seule audace suffit. Ma gueule et moi, on est sortis. On cherchait plutôt des amis. Moi, ma gueule. Ça va? Et où suis-je? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu m'as pas laissé rejoindre ma réalité? Et arrête tes conneries. T'as raison. J'ai toujours été Johnny Hallyday. Je suis Johnny. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Il n'y a plus rien qui me retient ici. Dans ce monde de merde où Johnny collectionne les maquettes de moto. Comment ça, il n'y a rien qui te retient ici? Et ta femme et ta fille? Elles ont besoin de toi, elles t'aiment. Et puis moi aussi, j'ai besoin de toi. C'est vrai? Ouais. Alors fais-moi confiance. J'ai vraiment l'air d'un con comme ça. Mais pas de... D'abord, il n'y a pas d'autre moyen. Tiens. Voilà. C'est bon. Mais, monsieur, contrôle des billets. Je suis Denis Lemann, j'ai gagné le concours de la nouvelle idole. Dis-moi. Je chantais avec Chris Sommer ce soir. Bonjour. Pas de passe, on vous laisse pas rentrer. On va casser ma boîte de lait, Julie. Parfait, ouais, ouais, je suis au courant. Bah, je vous attendais, je vais vous demander de porter ça tout le temps. Oui. Et de me suivre, on va falloir se dépêcher un petit peu. D'accord. On viendrait vous chercher dans votre loge à 22h05. D'accord. À 22h15, vous rejoindrez Chris sur scène pour chanter avec lui les Cripiers. À la fin du morceau, il vous donnera une accolade. À ce moment-là, vous quittez la scène, d'accord? Entendu, oui. Ça va, vous êtes au point? Oui, ça peut aller. Bon, mais si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi. Merci. Ah, excusez-moi, il y a combien de spectateurs? Environ 80 000. Ah, quand même. Bon, voilà, ça c'est votre loge. Ouais, c'est bon, je suis sur le coup, j'arrive. Merci beaucoup. On va être bien là, non? T'as besoin de quelque chose? Rien, merci. Bon, d'accord, j'arrive, hein.
marrant, tous ces boutons. Ouais, on est dessus, terminé. Tu cherches quelque chose? Ça sert à quoi? Ça, c'est le système de mise à feu pour le final. C'est énorme, hein? Bon, bah, bon concert. J'ai vu que je... Ça va? Excuse-moi. Juste ça. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ils sont là-bas. Je suis avec eux. Ils arrivent. Mais vous inquiétez pas, oui. On est là, sur le coup. Ils sont avec moi, je te dis. Non, monsieur, s'il vous plaît, on passe pas. Mon ami peut pas venir. Sur scène, ça va être compliqué. On y va, là, maintenant. C'est ton destin d'être là. Quoi qu'il arrive, c'est ton destin. Bon, faut y aller maintenant, je vous attends. Allez! Allez! On n'a plus le temps là, allez! C'est pas possible, ça, on peut pas rentrer pendant une heure à la grille, j'ai l'air de quoi? Désolé, monsieur Lehmann, mais nous on a des ordres. Vous allez où? Je suis Denis Lehmann. Je me renseigne. Mais c'est, on a un deuxième gars qui prétend être Denis Lehmann. Pas la peine de vérifier, on a vérifié pendant une heure à la grille. Qu'en allons-nous? Allez, vous mettez derrière la batterie, surtout vous bougez pas avant que Christa Meur vous appelle, ok? Mettez-le, c'est dans la pousse. Je suis Denis Lehmann. C'est moi qui... Non, c'est trop tard. Didier pour Fred. J'ai la 14, la 16 et la 18 qui déconnent. Tu peux vérifier? Je suis. Ah oui, je suis. Lidl, t'avises pas de commencer avant le deuxième couplet et tu restes bien derrière moi. Et maintenant pour chanter avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir le vainqueur de l'émission La Nouvelle Idole. Pour se sentir vivant, se sentir... Qu'est-ce que vous foutez? J'ai rien là, moi. Tester les allumages. Les quoi? Les a... Bon, j'arrive. Tiens, prends-moi ça. Ah!
au revoir. J'ai mal. Calme-toi, c'est grave. A priori, c'est superficiel. Bon, alors, garde les musiciens en scène. Photographe, s'il vous plaît, tirez les photographes. Saint-Denis, j'ai de la capée ma place. Il est en extase. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils ont réussi à y aller, dis donc. Vous êtes né le 15 juin 1943 à Paris. Tout ça me paraît tellement. Vous avez été élevé par votre tante, Hélène. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Tout ça s'est dépassé. Qu'est-ce qui n'a pas Je vais reprendre la musique. Reprendre la musique à ton âge, on était tombé sur si la tête. Si tu crois en toi, le public croit en toi. Cette personne. Vous finirez bien par savoir qui vous êtes. Est-ce que tu te demandes après tant d'années dans des chansons. Ensemble, on peut rattraper le temps. Quel temps perdu? Ça fait 40 ans que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour accomplir son destin. Le vôtre, c'est de chanter pour les gens, de leur donner du bonheur. Cette histoire, c'est pas des conneries? T'as vraiment fait tout ça? Tout ça, quoi. Du rock, Johnny Hallyday. C'est vraiment toi? Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là?
C'est mon mari. Vous avez eu un petit accident et vous avez perdu connaissance. Quelle heure est-il ? 8h20. C'est pas vrai. Je suis encore en retard. Bonjour. Bonjour Edith. Signez un autographe, s'il vous plaît. C'est pour mon fils, Franck. Il fait du théâtre. Vous êtes son modèle. Il vous aime beaucoup. Est-ce que je pourrais le voir aussi pour lui? Juste un autographe. Allez, ça va? D'accord. Lucini, vous allez prendre le théâtre. Monsieur Lucini! Excusez-moi, parce que je vais pas y arriver. Monsieur Lucini ? On va voir si monsieur Lucini s'il vous plaît. Monsieur Lucini, vous pouvez me le mettre avec toutes mes amitiés. Merci. Oui, je vous le fais. Voilà, yes. Merci. Je vous demande pardon. Allô ? Monsieur Lucini. Oui ? Allô, Fabrice ? Oui ? C'est Johnny. Johnny. Johnny Hallyday. Que faut-il avoir dans le sang de déchirure et de folie ? Johnny Hallyday. L'amour, le danger, les défis. Se fait de plantes noires, de blues de désespoir. Une rock'n'roll star. Une rock'n'roll star. Et faut-il garder dans le cœur toutes les blessures de l'enfance? Ce mal de vivre d'adolescent et des océans de violence. C'était de rouge, de noir, de peur et puis de gloire. Une rock'n'roll star. Une rock'n'roll star. Et une rock'n'roll star. Une rock'n'roll star. Et que la musique que j'aime pour l'entendre dans mes veines est l'acier des guitares. Être une rock'n'roll star. Oui, une rock'n'roll star. Tout en haut,
faut-il vendre mon âme pour que la gloire soit toujours mienne? Oh, c'est le pire, même au-delà, jusqu'à la rupture, l'extrême. J'étais de blanc, de noir, de blues, de désespoir, une rock'n'roll star. Rock'n'roll star, être une rock'n'roll star. Rock'n'roll star. Thank you.